Donc bonjour et bienvenue pour la continuité de Uncharted Drake's Fortune. Donc là dans cette vidéo, je vais faire deux chapitres, c'est-à-dire le chapitre 11 et le chapitre 12. Et là on va arriver au chapitre 11. Là qui va commencer par un grand gunfight. Et j'avoue que ces deux chapitres, quand je les ai faits en mode extrême, ils étaient assez balèzes. Donc là on y va, on continue, on commence par monter la grille, et là on va s'attendre à un véritable... Hop. C'est qui ça encore? Ouais, l'hélicoptère qui passe dessus. Attends voir, c'est pas Eddie ça? Et on y va. On prend le sniper. Là. Là. J'ai réussi. Et là, on va avoir une super arme que j'adore. Hop, c'est celui-là. Et là, hop. Donc, on avance. Hop la grenade, attention. Voilà. J'avoue qu'elle est super cette arme là. Hop. Ouais. Voilà, du côté de là. Tiens. Il est où cet enfoiré? Oh merde. Oh putain. Voilà. Là on monte. Et cette fois-ci, on fait un carnage. Ça fait penser un petit peu à Rambo 4. Quand Stallone prend la souffleteuse. À la mitrailleuse, je veux dire. Et en train de tirer. C'est où, là? Ah, putain, un peu des coups de pierre, là. Je le vois pas. Ah. Ah. Y'a plus personne. C'est bon. Ensuite, on ouvre la grille. Et c'est pareil. Hop. Bon sang. Sors. Et voilà. Allez. On avance. Hop là. Attention de pas te faire mal. Parce que Nathan, c'est un peu un ouf là. Il nous fait des sauts de malade. Chargez tout ça sur le bateau. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut vraiment que tu vois ça. Là, c'est pas vraiment le bon moment. Non, Nate. Mais qu'est-ce que t'as? Il faut vraiment que tu vois ça. Quoi? Oubliez pas ce qu'il y a sur le quai. Et... Salut. Il est vivant. Maniez-vous. Je sais pas, Nate. Mais bon... Tu lui fais vraiment confiance? C'est pas comme s'il braquait un flingue sur lui. Oui, je sais. Pourquoi oui. On traîne par ici. C'est bizarre.
Mais non. Sully a des défauts, mais c'est pas un traître. Où est-ce qu'ils sont partis ? Vers le nord. Oui, vers les montagnes. Ok. Ça doit être le monastère. Allons-y. Et si on découvre qu'ils bossent pour eux ? Soit on le sauve, soit on lui casse la gueule. Je vais lui casser la gueule de toute façon. Eh oui, ce bon vieux Sully est vivant. Ce fumeur de cigares. Oh. Et ça continue le carnage. Allez, viens là, toi, enfoiré. Allez. Allez, on monte les marches. Il y en a donc bien des marches en jeu. Donc là, il faut faire gaffe, il y a un mec au RPG. Ah, montre-toi, toi. Voilà. Wow. Donc il tire, hop. Voilà. Allez, on y va. Non. Qu'est-ce que j'ai comme arme ? Ah ouais, j'ai gardé celle-là. Ensuite, on y va. Attention, on va traverser le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Comment un truc pareil a pu arriver ? Tu vois ces traces ? Mmh. Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Oh. Fais attention. Certaines de ces planches sont carrément pourries. Elena, j'y arrive pas ! Donne-moi ton autre main ! Il faut que tu la lâches ! Et merde ! Fais chier. Okay. Tout va bien. Allez. Ça va. Elena a échappé belle. Et c'était le sacrifice ultime pour Elena. Soit elle sauvait sa peau. Ou c'était la caméra. Bah, elle a préféré lâcher la caméra. Je sais pas pour vous, mais j'aurais fait la même chose. On se lance. Hop là. On tombe par terre. Et là, on va se taper d'autres ennemis, il me semble. Ah oui. Ils sont là. Tac. Je prends cette arme. Hop. Cette rivière devrait nous mener au monastère. Et voilà. On arrive au chapitre 12. Et on va repartir pour une séance de jet ski. Mais là, encore plus compliqué que tout à l'heure. Car d'une part, on va avancer dans des espèces de rapides. Donc pour manier le machin, faut manier le scooter des mers. Dans les chutes, dans les rapides, c'est un peu du pouce, donc il faut forcer. Et sinon, il y a des tonneaux en plus, des ennemis, sauf que là, maintenant, Elena n'est plus au fusil à pompe, mais au simple gun, donc on les tue plus d'une fois. Sauf que, voilà, comme j'ai mis les tirs fatales, si, parce que, voilà, mais pour ceux qui l'ont pas fini en mode extrême, c'est vrai que ce passage-là était vraiment très, très, très balèze. Donc, allez, on y va. Alors, hop. Voilà. Bon,
Ça commence déjà bien. Donc voilà, là on est poussé par les... Oh là, oh là, oh là, là. Là. Voilà. J'avais oublié les tonneaux. On y va. J'aurais pu m'exploser la gueule parce que le tonneau était pas très loin de moi. Ouh là là. Non, et voilà. Là en mode extrême, on serait mort. Là c'est... Et là, on va se taper la première sortie des petits. Hop, ah là là. Tac, 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 tac. Voilà. Et on avance. Là, voilà, il n'y a plus de tonneau. Et là, il va y en avoir dans les chutes. Hop, hop. Voilà, ils sont là, les tonneaux. Ouais, là, c'est vrai que c'est chaud à bannir le... C'est chaud à le bannir ici. Là. Et voilà. Donc ensuite. Oh là là. Là faut faire attention. C'est vrai qu'il y a un mec au RPG. Oh là là. Je vais attendre que le tonneau passe. Et voilà, je l'ai eu. Donc là, c'est pareil, une flopée d'ennemis va nous avoir. Bien faire attention. C'est chaud, tiré avec le courant qui nous emporte. Là, j'ai eu. Voilà. Il y en a un qui va prendre là-haut, il me semble. Ah ouais, voilà. Et voilà. Je crois qu'il y a un autre mec au RPG. Et oui, il est là-bas. Je l'ai eu. Donc on progresse toujours dans cette maudite rivière. Et voilà, voilà, hop, c'est bon. Voilà, on est tranquille. Hop. Voilà, hop. Et voilà.
Donc, voilà, je vais arrêter là. Donc voilà, on a fait l'épisode 11 et 12. Donc en remontant la rivière. Donc vous avez bien vu, hein, c'est pas très évident de conduire cet engin sur la rivière avec des rapides, hein, avec des hommes qui tirent, des barils de poudre. Mais bon, c'est voilà, en mode extrême, putain, c'était assez chaud. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain chapitre. Ciao, ciao, ciao. Bisous.